Il était une fois dans un petit village enchanté, vivait une jeune fille nommée Léa. Elle aimait passer du temps avec son petit frère, Lucas, et ses amis, Emma et Thomas. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils tombèrent sur un livre mystérieux intitulé « Fabriquer une baguette magique comme celle d'Harry Potter à la maison ». Les enfants étaient ravis et décidèrent de relever le défi. Ils se dirigèrent vers la maison de Léa où ils trouvèrent tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de la baguette magique. Ils commencèrent par chercher une branche de bois de la taille liée de leurs mains. Lucas trouva une branche parfaite, droite et lisse. Ils la nettoyèrent soigneusement et la polirent avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elle brille comme de l'or. Le livre disait que il fallait ensuite ajouter une touche de magie pour que la baguette fonctionne. Les enfants cherchèrent partout dans la maison en espérant trouver une fiole de poudre magique, mais en vain. Finalement, Léa propose d'utiliser des paillettes scintillantes à la place. Ils prirent de la colle et badigeonnèrent la branche de bois. Puis ils saupoudrèrent les paillettes sur la colle, créant un magnifique éclat. Juste au moment où ils pensaient avoir terminé, une plume de paon tomba du ciel et atterrit à leurs pieds. Les enfants l'attrapèrent avec émerveillement et la collèrent au sommet de la baguette, apportant une touche finale à leur création. Maintenant, il était temps de tester la magie de leur baguette. Les enfants se regroupent autour d'une petite table et récitent les mots magiques et du livre, abracadabra, simsalabim, que la magie opère en un clin d'œil. Soudain, un éclair traversa leur baguette. La table se mit à voler, les jouets dansaient dans les airs et s'émerveillaient devant ce spectacle magique. Ils réalisaient maintenant qu'ils avaient fabriqué une baguette magique comme celle véritable d'Harry Potter. À partir de ce jour, les enfants passèrent leur journée à s'amuser avec leur baguette magique. Ils transformaient les légumes en bonbons, les vieux jouets en animaux réels et ils parcouraient même le monde en une simple pensée. La morale de cette histoire était que l'imagination et l'amusement peuvent être trouvés partout, même chez soi. Peu importe l'âge, chacun peut ressentir la joie de la magie grâce à sa propre baguette magique.